j'étais dans l'argile et là je viens de passer le long de la palisse là-bas. On botte un peu comme on dit chez nous, mais bon, c'est tip top. Vous voyez ça, comme c'est fait là, ça bouge pas, il y a un décrotteur et l'élément semeur est derrière. Et vous voyez, j'ai déjà fait un champ d'un hectare et demi et là je suis à 2 hectares 13 à peu près. Là-bas il y a une réglette en fait pour régler un doseur, c'est un engrenage, c'est à peu près comme mon odet, mais ce qui change c'est que c'est un pneumatique, alors il y a une soufflerie d'air qui aspire les grains et qui les amène dans chaque élément dans la trémie. Et je vous expliquerai ça plus tard. C'est bon, là on est en plein dans les semis, vous voyez que c'est frais sans être trop frais quand même. Ça colle un peu au roux, mais ça va être les conditions idéales. Je vais vous montrer un petit peu. Là c'était derrière le tournesol. Vous voyez les grains là, ils sont à peine assez bas, mais j'ai pas envie de les semer trop bas non plus. Parce qu'il y a une fraîcheur. Ici il y aura un prélevé. Là on a passé le vibro et on s'est pris 18 mm. Là on est deux jours après le passage du vibro. On voit, hein. Comme on dit, ça blanchit sur le dessus. Aujourd'hui, ça devrait sécher bien. On va aller là. Bon, j'ai mon petit réglage. Je me suis fait des panses bêtes. Et j'ai le bouquin quand même, parce que je connais pas tout. Si vous voyez là, ici, à 105 kg. Cette année vous allez avoir des surprises, les petits PMG. Et là je suis en réglage, hop, c'est parti pour la mise en route de mon nouvel outil. Là c'est un train de jalonner et là le long de la palisse ça botte. Mais tantôt ça va grâler dessus. Grâler en fait ça veut dire, vous voyez, la terre est un peu plus éclaircie où je vais pas passer. On s'est chopé 10 mm le lundi et après 18 la nuit de mercredi à jeudi. Et on est deux jours après là. Parce que cette parcelle je vais la désherber quasiment dans la foulée. Bon, je vais profiter que ça fait bon pour semer. Faut que je tourne. En fait, pourquoi je tourne à ce régime? Il y a une turbine qui emmène le grain.